Aujourd'hui, troisième jour des vacances et il pleut. Je sais pas si on entend. Je crois qu'on entend quand même. Mais il pleut. Genre là, on vient d'arriver. Ah. Ok, bon, ça c'est mon petit déj. Voilà. T'as pris deux ? Deux. Deux. Ouais. T'as pas pris ? De quoi ? Deux. Deux, non. Bon. On est d'arriver au petit déj là et puis il s'est mis à pleuvoir sur le chemin. Mais genre il pleut bien quoi. Ok les gens, donc là on vous retrouve à Crystal Bay. Je sais plus que sur où je vous ai laissé en fait. Ouais, je sais pas si on le voit parce qu'elle est première. Mais du coup là on cherche, on doit booker deux nuits. Parce qu'il nous reste deux nuits à booker et on cherche jolie vue plutôt. Vue sur la mer et on a visité combien d'hôtels? 1, 2, 3, 4, 5 5 hôtels là 5 On allait voir 5 hôtels en tout. Et il y en a un qui me plaît, mais il faut qu'on calcule au niveau du budget. Mais c'est genre trop beau, c'est genre magnifique, c'est genre. Vous n'allez pas voir, bon je vais vous montrer après, mais c'est genre là-haut, tout là-bas, sur les collines et tout, c'est magnifique, c'est genre quasi bord de l'eau et tout, les rochers et tout. Et à une heure, donc dans une heure, là il est midi, on va aller dans un tout là-bas, voir notre chambre sur les collines avec vue sur mer. Mais l'autre chambre était tellement belle que... L'autre chambre était tellement belle, bébé. Tellement de fois plus cher aussi. Ouais mais genre... soit tu le fais ou soit tu le feras jamais dans ta vie. Avec la baignoire, est-ce que t'as remous la baignoire ou pas? Ouais, je sais pas, je sais pas. Avec une grande baie vitrée, juste pied dans, enfin juste bord quoi. C'était magique. Donc on va voir ça. Là on est dans au resto où je vous ai filmé, je pense l'année dernière, je vous ai posté des photos. Ouais, il y a deux ans. Et on mangeait tout le temps là avec les potes et tout. Et donc là on revient parce que j'adore leur coffee chai. Ils sont trop bons ici. D'ailleurs il arrive. Il est là. Donc j'espère qu'il est aussi bon qu'il y a deux ans. Je pense qu'il devrait être bon. Ouais mais tu vois le coconut shake hier il était dégueulasse. Hein. Là on l'a pris. Là c'est juste du café ça. Ouais. Je vous montre un peu notre plage préférée. C'est trop beau. Genre. Et là l'hôtel qu'on allait voir. On voit pas en plus. C'est là-bas. Bah, si on voit un peu là, non, non c'est ça, pas ça. C'est pas eux. Bon, c'est un peu plus loin, c'est de l'autre côté. Bah, nous, on l'a pas vu alors. Ouais, mais lui, je sais pas lui. Ok, bon bah. En tout cas, c'est trop beau. Ça, c'est notre plage. On l'aime trop cette plage. C'est trop trop beau. Du coup, bah, je voulais peut-être filmer, mais bon, j'ai pas eu le temps. Un peu les chambres, mais. Je vais essayer de vous filmer la dernière chambre qu'on va voir à 13h. La balcon. Ouais, je sais pas. Ou en tout cas, dans les allées. En allant vers la chambre ou à l'extérieur. Donc voilà. Nous, on va se rafraîchir un peu. Franck, il a chaud. Hey. Il est 14h20. Il pleut. Je pense que vous entendez la pluie. Voilà, donc là, il est 14h20, comme je vous ai dit. Et bah, vu qu'il pleut, bah, c'est mort, quoi. Donc, je vous avais dit que j'avais fait les tours des hôtels. Je vous ai fait un Insta direct. C'est la première fois que je faisais un direct en fait, donc c'était super sympa. Mais c'était 7h30 chez vous du matin, donc j'ai pu discuter avec vous, avec quelques personnes qui sont souvent là en plus. Voilà, donc là, bah, on fait rien. On reste dans la chambre, de toute façon on est là pour se reposer. Bon, là on va manger. Ah merde, tu sens citronnelle. Ah bah oui. Ah mais je te touche pas alors. Ah, mais je suis pas, là on va manger, juste en fait ce qu'on a fait toute la journée c'est chercher des hôtels et visiter des hôtels. Et du coup Franck il en a trouvé un autre. Il a eu un coup de cœur pour celui-là. Moi j'avais eu un coup de cœur pour l'autre avec la super vue carrément en face, enfin, face à la mer. Et du coup je sais pas. Je sais pas ce que je veux faire. Par contre. C'est pas que tu choisis, donc je sais pas ce que. Et bah oui je sais pas. Franck il dit c'est moi qui choisis mais moi je sais pas. Et je sais pas. Parce que celui-là là qu'on a vu là, vous venez juste de voir, genre il est beau, il est nickel et tout. Et du coup l'autre il est un peu plus. Non bah non. C'est sûr. Ouais.
Il est un peu plus genre comment délabré là. Oh, il a abandonné un peu. Un peu abandonné genre. Ça devait être il y a des fils qui dépassent, il y a des trucs qui vont pas. Les meufs elles sont pas agréables. C'est sale. C'est un peu sale, mais c'était la vue elle était trop belle. La piscine était jolie aussi, mais il y a plein de bébêtes mitées pour race, putain. Bébé, j'ai plein de moustiques qui se collent à moi. Mais c'est sûr. Bon, là, on va manger au resto qui s'appelle Bambou. Et ils font fruits de mer et tout. Ce qui paraît, c'est bon rapport qualité-prix, donc on va les tester. Donc, c'est parti, je vais vous montrer ce qu'on mange de toute façon. On est arrivé, c'est ici. On est arrivé, il faut dire ça, ça en face. La mer, c'est pas trop bien. Marie. Banana shake. Yep, promis. Thank you. Lemon shake. C'est ça, il y a des sauts. J'ai pris lemon shake, on va voir si c'est bon. Fried rice noodle. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est sucré, hein, sa mère. Mais il est bon ou pas? Il n'y a pas de taille, plutôt. Ça va avec, ce qu'on mange? Fried rice avec seafood, fried rice avec porc, chicken ou bœuf, fried rice au crabe. Vas-y, fried rice au crabe, vas-y, on prend. Oui, crabe. Ok. C'est au poids, quoi. Combien? 450 grammes. Ok. Et il y a rien qui quitte, hein. Ça, c'est oui, le plus gros. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. What is the egg bun? Okay. Is that a steak? Is that a barbecue? Yeah. Ok, il est 22h, on a mangé tout ça, et là, ben, on est rentré, j'ai pris ma douche, on va pas aller se coucher tout de suite, on va chercher encore des hôtels pour voir demain. Demain matin, on va essayer de faire un maximum d'hôtels pour voir le plus bel hôtel, dans notre budget, hein, bien sûr. Et voilà, mais je pense qu'on va s'adapter. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y en a des beaux. C'est dur de choisir. Je n'ai vraiment pas bronzé du tout. Parce que vu le temps qu'on se tape, eh ben, il n'y a pas moyen. Pas de soleil. Il fait gris, il fait chaud et il pleut. Voilà. Donc aujourd'hui, il a plu quasi toute la journée en fait. Quasi toute la journée. Et pas de soleil, pas un brin de soleil. Donc apparemment lundi, mercredi, apparemment à partir de vendredi, donc jeudi, apparemment il fait encore un peu pas beau quoi. Donc on verra. Donc là je me suis fait un gommage avec mon Neutrogena, le soin lavant là. Puis je mets ça, c'est de Garancia, c'est le filtre légendaire et centenaire. Eau de beauté. Moi je teste ça là pendant les vacances pour voir si c'est bien ou pas. Et là je vais mettre une crème que j'ai mis hier, c'est de Garancia aussi, c'est la mystérieuse Mille et Une Nuits. Crème de nuit anti-âge, ça nous prouve. Celle-ci, donc je l'avais eue sur dans le kit là de voyage. Et hier je l'ai mis tellement. Parce qu'en fait elle est tellement grasse. Hier j'en ai mis tellement que j'en ai mis trop en fait. Donc là je vais en mettre beaucoup moins. Parce qu'elle est archi grasse, un peu de ouf. Donc je pense que ça va me durer assez longtemps ce truc. Là je l'ai balayé beaucoup et pourtant voilà. Ça suffit largement quoi. Ouh, bon, je vais vous laisser là. J'espère que ce troisième jour vous a plu. Déjà le troisième jour. Ça passe vite. Bon allez, je vais vous laisser.
J'espère que ça vous a plu encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Bye.